En pleine planète, c'est un événement extrêmement important pour la filière de l'aménagement touristique de la montagne. C'est un événement qui a lieu tous les deux ans, dont on a été privé en 2020 pour les raisons que tout le monde connaît. Donc se retrouver ici à Grenoble en avril 2022, c'était vraiment extrêmement important. C'est dans ce cadre que le cluster montagne, en collaboration avec Alpexpo et la région Auvergne-Rhône-Alpes, permet à des décideurs internationaux, des exploitants, des dirigeants de stations dans le monde, de visiter le salon, mais aussi en amont, sur trois jours de visite terrain, de découvrir ces expertises sur site, en station, qui sont finalement les meilleures vitrines de ces technologies et de ces savoir-faire. C'est ce qu'on a fait donc pendant trois jours dans l'Oisans, dans les stations de l'Alpe d'Huez, des Deux Alpes et de la Grave, accueillies par les équipes de la SATA, exploitant de ces trois domaines de montagne. Et on a ainsi pu accueillir plus de 170 décideurs internationaux, 24 pays, des collègues autrichiens, suisses, d'Amérique latine, des États-Unis, du Canada, d'Andorre et j'en passe. Retient évidemment, c'est la richesse des échanges, du partage d'expériences et après ces deux années si particulières pour la montagne et les montagnes du monde. Donc une envie de comprendre, de partager les enjeux, d'imaginer les solutions, d'envisager la suite, le futur, la transition, la transformation de ces modèles. Toujours qu'on connaît des autres personnes, qu'on a des nouveaux idées qui sont ici présentées sur Mountain Planet et je suis très contente qu'on est venu ici. C'était vraiment très impressionnant tout le monde qu'on a rencontré parce que Cluster Mountain, ils ont fait vraiment très international et ça c'était incroyable. On a 200 personnes qui sont venues de plus de 30 pays différents. On est tous dans le même bateau et c'est ma bateau qui était vraiment dans les vagues assez grandes avec toutes les situations qu'on a eues. C'est très important qu'on ait ce sentiment qu'on est vraiment tous ensemble. Et après ces trois journées terrain qui ont vraiment été à la fois très actives mais aussi très conviviales, on se retrouve depuis trois jours sur le salon pour poursuivre les échanges et rencontrer vraiment les experts, les entreprises, les responsables techniques et pour pouvoir imaginer les projets pour les futurs aménagements touristiques. Mountain Planet, c'est la vitrine du savoir-faire, de l'expertise mondiale bien sûr, mais
pour le cluster montagne de ses entreprises membres et une dimension internationale qui est extrêmement importante puisque ses savoir-faire français s'exportent, sont reconnus de l'ingénierie aux équipements, les infrastructures et les services. Un sujet qui est également qui revient dans tous les échanges, celui de l'emploi, du recrutement, des compétences. Et donc on a mené avec les partenaires également du salon une action pour permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux personnes qui souhaitent éventuellement changer de filière, de rencontrer les entreprises, des recruteurs qui mettent à disposition des dizaines d'offres d'emploi dans la filière, que ce soit dans les entreprises, mais également sur les territoires touristiques de montagne. Et se retrouver en 2022, c'est en effet très symbolique et très important pour le cluster montagne, sa gouvernance, ses membres, son équipe opérationnelle, puisque nous fêtons très officiellement nos 10 ans d'existence sous ce label Cluster Montagne. Donc on a eu grand plaisir à partager aujourd'hui cet anniversaire avec nos membres et avec nos partenaires et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes et la présence de la vice-présidente à l'économie, Madame Stéphanie Pernaud. C'était important aussi de souligner et de faire ce clin d'œil dans le cadre de cet événement qui pour nous revêt une importance toute particulière cette année. Eh bien, retour sur ces trois jours sur le Salon Montagne Planète, l'édition 2022. Tout ça intervient dans un moment où nous sommes à la sortie d'une saison qui aura été une bonne saison, voire une très bonne saison. C'est donc l'occasion de pouvoir se faire rencontrer l'ensemble de décideurs, de partenaires de notre milieu de la montagne pour préparer les investissements de demain, des investissements en faveur du ski et de la montagne d'hiver, mais aussi de toute cette diversification à laquelle nous sommes désormais habitués. On a vu ici sur ce salon 2022 une véritable orientation. Celui de 2018 n'était pas le même que celui que nous avons vécu cette année. Je crois que c'est du grand cru, beaucoup de monde, des décideurs, des délégations aussi que nous avons eu plaisir à accueillir dans le cadre du cluster montagne. Autant de belles orientations qui sont des indicateurs très favorables pour notre montagne.